On a mis des pièges. Vous introduis le vlog comme ça. On a mis des pièges à souris haute technologie. C'est pas les vieilles tapettes en bois là, non, c'est des vrais pièges et tout avec du beurre de cacahuète. Dans le cellier, vu qu'on avait une souris. Deux. Et là, on en a chopé une là cette nuit. Enfin, on en a chopé une. Je l'ai vu ce matin quand on est rentré. D'ailleurs, bonjour à tous. Et Léo qui me dit, elle était comment la souris? Bah, comme ça. Bon, ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 26 août, 8h10 du matin. Je vous laisserai regarder la vidéo Une nuit dans la forêt, vous comprendrez pourquoi on est fatigué. Voilà, tout simplement. Hein. T'as pris une photo de la souris? Mais pourquoi je prenais une photo de la souris? Je suis pas. Le trophée, tu sais. Je la mets dans mon décor. Attends, je mets une pointe. La souris, comme ça. Tu le montres à la caméra? Non. Ça se voit bien, mais mets pas ton doigt là-dessus! Arrête, mets pas ton doigt là-dessus! Remets ça à sa place, et touche pas! Et là, il fait. Youpi! Normalement, il y a plus, mais là, il y en a un peu. Oui, va remettre ça à sa place. Parce que hier, je m'amuse à appuyer, et ça fait bam, 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 bam. Il sait ce que ça fait. Ah, il a déjà construit son doigt? Ouais. Oh, ça se Bref, les amis. Un nouveau vlog, j'ai pas vlogué hier parce que hier c'était la nuit dans la forêt et je pense que c'est bon, j'ai déjà assez filmé hein. Putain, je sais pas combien il va durer cette vidéo mais on a filmé longtemps. Ouais, c'était pas mal. D'ailleurs je vais pas tarder à aller charger les fichiers et tout. J'ai un Geoffrey à ramener à 10h15 à peu près. Ouais. À la gare. Il crevait aussi. Ouais, je suis éclaté, ouais. Miguel Anto pour aller faire un urbex cet après-midi, j'aurais donné l'adresse. Où la souris? À poubelle. À la poubelle. On la voit rien. Mais il va pas chercher la souris dans la poubelle. Non mais je Mais il y en aura d'autres de souris. Imagine, elle a un corps comme ça. Et du coup, ils vont faire un urbex. Miguel Anto, je leur ai donné l'adresse. C'est la maison qu'on a fait avec le portrait des deux filles, des deux fillettes. Tu veux faire une partie? Tu sais jouer aux échecs, toi? Oui. Hein? Ah, moi, je sais pas. Quelqu'un en veut le dernier? Non, tu peux manger, c'est bon. Et ouais, du coup, au programme de ce jour, bah, ramener Geoffrey. Je dois monter la longue vidéo Une nuit dans la forêt. Je vais essayer de la publier aujourd'hui. Donc, la monter avant 15h. Ça va être dur mais c'est faisable. C'est faisable, c'est une continuité de vidéo donc ça va encore. Et puis l'enquête aussi, il faut que je termine de charger parce que j'ai pas encore chargé tous les fichiers de l'enquête. Et j'ai une facecam pour demain encore. Donc ça va. Et puis après bah voilà, on boulot continue. Laura vient de partir au travail à l'instant, les petits sont levés. Malone bah, se lèvera après. Mais elle est morte quand même la souris. Mais sa tête elle est arrachée dans le dos. Oh là 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 là. Sa tête elle est quand même, elle était dedans, elle est brouillée. Oui, ça lui a cassé le cou, c'est tout. Le cou il est. Et sa tête elle est pas enlevée. Elle est... Non. C'est juste qu'il y a du sang là. Non, elle a même pas de sang. C'est juste que ça fait des. Ils sont glauques ces gosses, putain. Pourquoi ils veulent savoir tout ça? Ah, ça fait juste des traces. Non mais cherche pas, c'est bon, y'a pas de problème. Ah, arrête de te barrer toi. Toi tu te barres comme un con à côté, il est tout rouge. Oui, parce que ça serre si fort et ça l'étrangle. C'est toi qui l'ou fais. Ah, c'est toi, c'est moi qui l'ou fais ce gosse là. C'est ma gosse à moi. Oh là 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 là. Je suis pas le seul à l'avoir fait hein. Tiens pas tout de moi s'il te plaît. C'est du plastique. C'est du plastique et tu es un garçon étrange, tu sais. Ah, c'est du plastique, mon médicament, quand même. Enfin, bref, ouais, du coup, j'ai du travail. Voilà. Ouais. Bah, ce plastique, c'est fait pour ça. Et oui. Geoffrey, j'accueille plus. Ah, bah, du coup, hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Je vais pas vloguer. On a appuyé sur le plastique, il est. Hier, qu'est-ce qu'on a fait une heure? Il est à moitié. On a fait les cours? Alors, attends, oh, la journée d'hier. Trois fois les cours. Oh, bordel, trois fois. Alors du coup le matin on a joué un peu à Warzone. J'étais sur le PC aussi. J'ai le père de Laura qui m'a appelé pour me demander si je pouvais l'accompagner parce qu'il a acheté un nouveau véhicule. Il a revendu son petit 4x4 et il a racheté un nouveau véhicule et il me demandait de l'accompagner parce que pour les papiers et tout ça il est pas très à l'aise avec les papiers et tout, il écrit pas très bien français, etc. Donc je l'ai accompagné pour aller chercher sa nouvelle auto. Il a récupéré sa nouvelle auto. Putain mais il repart encore une fois. Il a oublié le picon. Et du coup je l'ai accompagné, ensuite je suis rentré à la maison, ensuite on est allé chercher les courses pour hier soir. Ensuite je suis rentré à la maison et à 17h15 je suis allé refaire les courses avec Laura. Pour la semaine et tout machin. Sachant que Laura je lui avais dit on le fait samedi. Et elle m'écrit hier, oublie pas à 17h15 le Cora il prend des sacs. J'ai dit non mais je t'ai dit samedi.
Ah non, tu m'as pas dit samedi. Je dis, ah si, je t'ai dit qu'on les faisait samedi. Je pense qu'aujourd'hui, ça va faire short. Du coup, on est rentré des courses avec Laura. Il a fallu courir, foutre toutes les affaires dans la bagnole, machin. Et ensuite, on a fait la nuit dans la forêt. J'ai oublié le beurre. J'ai oublié le beurre, j'ai dû faire l'aller-retour pour aller chercher le beurre. Les couverts, les assiettes. Oh, mais de toute façon, vous... Non, mais il faut qu'ils regardent la vidéo, faut pas les spoiler. Ouais, ouais. Mais on a fait un repas du Seigneur quand même. Hein. Ouais. Mais dans des assiettes de fortune. On a mangé la bavette avec une cuillère. C'était pas mal. Moi j'avais la fourchette, moi ça va. Bref, c'était quelque chose. C'était intéressant. Une bonne soirée. Et aujourd'hui, du coup, il y a ça. Ce soir, j'ai un live aussi. C'était ouf. Il va être rude. Hein. Mais cet après, on se mettra devant la télé avec les gosses et je pioncerai un coup parce que sinon je vais crever. C'est pas sûr que j'en devant la télé. Bah oui. C'est selon comment se déroule la journée. Regardez la vidéo de la forêt. Non. Là, on fait des cauchemars. Bonsoir, rien à voir. Quoi, on va regarder quoi? Bah, on regardera un truc à la télé. Un dessin animé, j'en sais rien. Mais ça, on verra lui. Oh, moi, je peux en mettre plus fort comme ça. Et puis, et Laura, ce soir, elle va boire un verre avec une copine et tout ça. Je fais le live. Et puis Warzone ce soir après le live. Je veux si je suis encore réveillé. Ah, pareil. Non, tu vas dormir toi cet après-midi, je pense. J'en sais rien. Sérieusement, j'en sais rien. Selon comment se déroule la journée, il y aura peut-être un live. Bon, les amis, je suis accompagné de mon assistant réalisateur. Steven Poulberg. Et là, je suis en train de charger les fichiers. My god. Oh my goodness. Oh my goodness. Ah, il y a du fichier là. On a déjà rien que sur le G7X. Ah bah non, ça c'est mon vlog, je peux pas. Ah bah non, putain con, attends. J'ai chargé le fichier du vlog d'aujourd'hui. Bien joué. Bien joué Nils. Bravo Nils. 9. Voilà, c'est bon, je l'ai exporté. Et là, nuit, forêt. Voilà. Voilà. Alors déjà, rien que le G7X, on a... Oh putain, 1h04 de fichier. 1h04. Maintenant on va allumer. Oh, on va allumer. Ma gueule, gros, c'est bon. Hein ? Je viens de voir ma tronche. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. 1h04 déjà là, comme ça. Et maintenant il y a l'autre cam, la X10. Ça va être quelque chose, là, je te le dis. Ça va être lourd à monter. Ah, il est connecté ? Ah, ouais. 1h04 plus. 39 minutes. Oh ! Ah non, ça c'est l'enquête. 6, 11, 17, 18, 19, plus 7 minutes, ça fait 19, 26, plus 24, 50, ça fait 50 minutes, plus 40, 81 heures et demie. 1 heure et demie, plus encore 1 minute et 1 minute. Donc 1h30 plus sur. Il y a 2 heures plus. Mais pourquoi j'ai quitté? Merde con. Oh putain. Plus 2 heures de rush s'il vous plaît. Ils a fait. Bon les amis, il est actuellement 10h08 et je vais ramener Geoffrey à la Sainte-Gare. Voilà, parce qu'il est l'heure. Il a son train à prendre et là on a commencé le montage de la vidéo. On a déjà 23 minutes et j'ai 2 heures de rush. Ah là, ça va être une vidéo là du Seigneur. Bisous le garçon. Et du coup, là, je vais Geoffrey à la gare. Après je rentre et puis je continue le montage hein, de toute façon. Mais qu'est-ce que tu foutais dans ces liens toi? Non mais j'ai une youtubeuse. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Clara. Elle est à Paris et j'essaie de... On m'a mis sur Roblox. Tu l'as trouvé où sur YouTube? T'as pas YouTube? Mais non, YouTube Kids. Ah, sur Kids. Ah d'accord. Elle joue à Roblox. T'as tout pris là ce qu'il y avait? Il y a ton tabac? Il y a ton tabac, ouais. Je sais pas si c'est le sien, faut regarder. Faut regarder s'il y a la tubeuse du turfu. Ouais, il y a la tubeuse du turfu. Bon. Bah, on prend des tubes. Non, j'en ai. Attends, là, c'est bon. Oui, bien sûr. Bon, ouais, on va aller à la Sainte-Gare et puis après, je reviens à la maison. Et puis, je continue le montage. De toute façon, je vais essayer de la publier aujourd'hui, de toute manière. Que le fait que j'ai pas vlogué hier, en fait, ça n'empêche rien parce que du coup, il y aura quand même la vidéo dans la forêt. J'espère qu'elle va marcher cette vidéo, même si je pense pas qu'elle va faire beaucoup de vues. Moi, je pense qu'elle va faire genre 1500 vues la vidéo dans la forêt. Oh, ça pourrait être bon. Bah, ça serait bien, hein. Je veux dire, je crache pas sur le fait qu'il y ait 1500 vues. Non, mais c'est une vidéo qui demande énormément de travail, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de spectateurs que ça. En fait, c'est ce qu'on disait juste avant en fait, que tu lances pas. Il y a
de la connerie, de l'instru, de... On apprend des choses, on rigole. Des choses très sérieuses en plus, parce que bah, oui. Si tu veux partir au camping, si c'est pas un minimum de ce qu'on a appris là, en vrai, ouais. Ça peut être... Mais ça peut être... Ouais. Non, c'est cool. Non, mais c'est vrai. Incroyable en fait. Ouais, ouais, ouais. T'as toutes tes affaires, c'est bon? Ouais, juste à prendre la veste. Bah, allons-y, quoi. On va encore au job, puis... Ouais. Let's go. Des bisous. Ah. Cool. Voilà les amis, il est actuellement 10h49 et je viens de déposer Geoffrey à la gare, je suis rentré à la maison. Et je reprends le montage de la facecam parce que j'aimerais qu'elle soit publiée aujourd'hui. Donc voilà, je recommence. Je continue. Bon les amis, il est actuellement 12h53. Je voulais boucler ce montage avant de faire à manger aux enfants et tout ça à midi. Et là c'est bon, je viens de terminer, je viens de boucler le montage. 2h20. De vidéo, 2h20, j'ai même pas voulu couper en deux en me disant c'est bon je fais en deux épisodes ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est tellement mieux que ça soit à la suite. Les gens qui auront le courage de regarder pendant 2h20, ils regarderont pendant 2h20, et puis ceux qui n'auront pas le courage, bah écoutez, comme j'ai dit, je sais que c'est pas une vidéo qui va être beaucoup regardée parce que voilà, c'est pas des vidéos confessions, des story time, des trucs qui sont habituellement super regardés, etc. Et la tablette de Déo qu'il a eu de sa mère qui charge plus. J'ai essayé de la charger avec mon câble ici en pensant que c'était le câble en bas qui merdait, mais là c'est bizarre, elle charge toujours pas. C'est... Je vois si c'est pas le connecteur qui est mort. Ça me surprendrait, mais bon. Bon, je regarderai ça. Dans tous les cas, là j'ai lancé le rendu. Oh, il y en a pour un bon 1h30 de rendu facile. Et après, je verrai si j'ai le temps de vous l'envoyer sur YouTube, du coup dans la foulée. Mais j'espère pour 15h, là il est quoi, il est 13h. Oh si, parce qu'avec la fibre optique, même un truc de 2h20, je vais l'envoyer en 10 minutes, quelque chose comme ça, donc ça devrait le faire. Ouais, je vais le faire à manger au gosse. Bon les amis, il est actuellement 13h35, Théo il est en train de rebrancher la Xbox, parce que Geoffrey avait mis la sienne. Les enfants ont mangé, j'ai toute la cuisine à ranger, j'ai pas encore rangé, là je suis sur le PC parce que le rendu va bientôt se terminer, 45 minutes de rendu finalement. Il veut pas quoi? Et il faut pas forcer, hein, parce que regarde ce que ton frère a fait avec sa tablette. Ah oui, je peux pas. C'est lui que je peux pas. Regarde dans le sens suivant. Petit, grand. Regarde dans la console comment c'est derrière. Petit, grand. Et c'est le IN, le OUT, pas le IN. Hein. Il y en a deux prises. Il y en a un, c'est TV IN et TV OUT. TV IN, TV OUT. C'est OUT, OUT. TV, tout TV. Ah oui, c'est pas la même, c'est pas marqué le Xbox. Bah là, c'est celle-là. OUT. Si tu vois, c'est marqué OUT. Ça marche super doucement quand tu branches. Faut y aller doucement. C'est que tu la mettre à l'envers. Ouais, que ça ne marchait pas. Tu la mettre à l'envers. Je croyais que c'était un autre. Tu vois, c'est bon. Mais oui, mais je regarde là. Bah, le. Quand on branche pas. Mais regarde ce qu'il a mis là. Mais c'est pas ma mère qui a mis ça. Non, mais regarde. Ah non, c'est pour mettre, c'est le nouveau pas. Vas-y, tombe. C'est le nouveau pas de pour mettre. Ouais. Mais ça marche pas, tu peux le mettre. Et du coup, ouais, alors, il y a Léo qui est venu parce que il me dit ma tablette marche plus, plus moyen de la charger, ça fonctionne plus et tout. Alors j'ai prêté la mienne, je vais... Oui, alors Théo, il a une tablette aussi qu'il a récupérée chez sa maman, mais vu qu'ils en avaient déjà une et qu'ils se la partageaient, j'avais laissé celle-là et l'autre de côté, bah j'ai bien fait parce que... Il est là, Théo a voulu, Léo a voulu insister ce matin pour brancher son câble pour charger sa tablette, sauf qu'il a utilisé un câble d'iPhone au lieu d'un câble USB-C. 8 et ça change. Oui, bah faut la laisser charger. Et résultat, bah, il a détruit le port USB-C de sa tablette et bah, là, il est mort. Il a serré comme ça, bam. Ouais. Et c'est mort. Du coup, bah, là, j'ai ressorti celle de Théo et je vais la reconfigurer, mettre le contrôle parental dessus. Ils se partageront celle-là, du coup. Mais j'avais bien fait de la garder de côté parce que, oui. Et j'ai expliqué à Léo, j'ai dit, faut pas insister quand tu vois que ça rentre pas, faut pas insister. C'était pas le bon câble. Il a utilisé un câble d'iPhone au lieu d'un câble USB-C. Enfin, bref. Et puis là, changer le connecteur USB-C, c'est une galère pas possible sur ce genre de tablette. Je verrai bien ce que je fais, mais c'est pas bien parti. Bon, le rendu se termine dans quelques minutes. Je vais faire la miniature et je vais l'envoyer avec la fibre sur YouTube. Normalement, une vidéo comme ça qui fait 11 Go, si je l'enverrais avec la VDSL, j'en aurais pour. Quand j'aurai
Peut-être. Tu as le droit, tu peux m'apprendre à jouer à ton jeu que tu joues avec le frère. Warzone ? Ouais, t'as pas l'âge. Hein. Oui, mais quand j'aurai l'âge de Libby. Même un peu plus grand, l'âge de Malone au moins. Laura, elle est comme ça. Aide-moi ! Elle bouge pas, elle veut aussi être comme ça. Et du coup, bah, je vois. Ouais. J'ai dormi une heure cette nuit. J'ai regardé sur ma montre et tout, une heure j'ai dormi. Donc c'est costaud quand même. Hein. Une heure, genre, voilà, une heure. Hein. Mais sinon, tout le reste, j'étais réveillé. Les chaussons, ça fait tout propre, mais. Ils étaient sales. Du coup, oui, avec la VDSL, normalement, une vidéo comme ça, je mettrais 3 heures à l'envoyer. 3h, 3h30 environ, ça fait 1 giga, c'est énorme. Et là, je vais voir combien de temps ça met à envoyer sur la fibre. Mais à mon avis. Là pour peut-être une 10-15 de minutes quand même. Un vlog je l'envoie en 3 minutes mais là à mon avis c'est quand même assez un fichier assez gros quand même. J'attends qu'il termine, il a fini le rendu mais tu sais il y a toujours un petit temps à attendre à la fin. Après il faudra que je reformate la tablette de Théo parce qu'il n'y a pas de contrôle parental dessus. Et que j'installe un contrôle parental dessus et tout, que ce soit nécessaire et puis après ils pourront servir de ces tablettes et ils feront Et il faudra mettre des jeux, il y a pas beaucoup de jeux, il y a 3-4. Ils vont se remettre tout seuls les jeux. Ça va remettre les jeux qu'il y avait sur celle de Léo. Je remets son compte à lui. Comme ça, il y aura tous les jeux de Léo dessus. Oui. Mais faut pas la casser celle-là. Et tu pourrais enlever le truc TikTok. Mais c'est pas TikTok, mais je sais pas c'est quoi. Mais si, c'était TikTok. Quand t'as regardé, c'était TikTok. Bah oui, quand j'ai récupéré la tablette, j'ai regardé s'il y avait un contrôle parental. Oui, il y avait TikTok. Rien du tout, il y avait que moi. Oui, mais il y avait TikTok. Donc là, de toute façon, je vais mettre un contrôle. Tu peux l'enlever, de toute façon, le contrôle parental ne mettra pas TikTok de toute façon, ça c'est sûr. Sinon, je peux garder TikTok s'il y a sûrement que moi. Non, non, non. Il y a que moi. Ouais, faut que je formage, j'installe tout le contrôle, machin et tout ça. Tu fiches de moi. Comme ça, c'est fait. Alors, ça finit le rendu là. Putain, 45 minutes de rendu pour 2h20, ça va, c'est pas mal. Bon, après, j'ai rendu en 29 images par seconde. J'avais pas le choix. Et du coup. Ouais ça a bien rendu, ça a rendu assez vite. J'ai dû faire en 29 images par seconde parce que je filmais avec deux caméras. Et la caméra de Ghostanus elle est en 30. Donc je suis obligé de me caler sur la caméra qui a le plus faible taux de rafraîchissement. Ça y est, c'est fini, c'est rendu. Maintenant je la mets en envoi. Hop. Non c'est ta tablette qui a fait bip. Oh, je croyais que c'était Léo. Non c'est ta tablette. Tu vois, il y a... Oui mais je vais m'en occuper, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Alors, formater ça. Il y a tout dessus, il y a TikTok, YouTube, paramètres. Comment on efface tout là ? Moi je ferais jamais comme Léo appuyer sur le. Initialisation. Effacer tout, rétablir et connecter la configuration d'origine. C'est bon, ça efface tout. Alors du coup, 10 minutes l'envoi. 10 minutes l'envoi de la vidéo, je suis étonné. Voilà, c'est en train de tout effacer, c'est bon. Qu'on me dise pas que je suis pas efficace, parce que... Retour ce matin à 6h du mat, après une heure de sommeil cette nuit. 4 heures de montage, le rendu, la miniature, l'envoi sur YouTube, vous avez la vidéo qui est disponible à peine quelques heures après la clôture de cette vidéo Union Forêt. Et franchement, rien que pour ça, bah ça vaut de la regarder s'il vous plaît. Bon bref, je suis en train d'installer la tablette de Théo du coup là. Je suis en train d'installer l'application, le contrôle parental machin. Eh oui, contrôle parental nécessaire, n'est-ce pas? Je vais voir s'il y a une autre souris qui s'est fait choper. Pas de souris chopées pour l'instant. Pas encore. Ça viendra quand ça viendra, mais non. Bon, une, c'est déjà bien. Plus ces deux autres que Miguel avait chopé, mais ça arrive, les souris. Salope. Bref, une bonne chose de faite. Là, j'ai récupéré un jeu pour Malone qui voulait là sur PC, mais c'est un jeu de cartes ou je sais pas quoi. C'est même pas un jeu vidéo, tu vois. C'est un jeu de cartes ou je sais pas quoi. Là, il y a la Laura qui m'a dit que la mère de Laura nous invite avec Miguel Anto, les garçons et tout, à manger chez eux dimanche midi. Il y a mes parents qui viennent dans l'après-midi ramener Libby et Chloé. Donc, pas mal de choses à faire et tout ce dimanche. Et puis moi, de mon côté, bah, je continue du coup tout ça.
Là j'ai de la cuisine à ranger là. Ils ont mangé à midi, c'est un peu le foutoir là. Donc il faut que je range. Donc je vais ranger cette sainte cuisine. Comme ça au moins je vais me sentir déjà mieux. Et puis après je vais pas monter mon vlog au fur et à mesure parce que je peux le monter ce soir, ça va tranquille avant live avec la fibre. Maintenant bah regarde la fibre, hein, 10 minutes d'envoi, c'est génial quoi, c'est super. Je vais faire une story pour avertir que la vidéo est en ligne. Bon les amigos, il est actuellement 15h, il est en train de faire son pied de vacances. Théo, il est en haut, il joue à la console, il fera le quai de vacances après. Madeleine, il joue à son jeu de cartes, là. Et puis, mon facecam est en ligne, voilà, ça y est. Oh la vache. Carburé. Moi, j'aime bien monter les vidéos tout de suite. Il marche, ton jeu ? Impec. Non, bah, nickel. Et vous, encore une fois, ça marche pas si tu mets le raccourci sur le bureau. Pourquoi ? Ça me dit qu'il manque un fichier, alors que si je le démarre depuis, bah, les fichiers. Et comment tu fais un raccourci ? Soit je déplace le truc, soit je copie-colle tout le machin sur. Clic droit, créer un raccourci. Oui, voilà. Bien ça aussi. Ça marche pas. Peu importe comment je fais, ça marche pas. Bizarre. Bon, c'est cool pour la facecam. Bah oui. Bon, les amis, on est en train de faire des quêtes de vacances. Non, pourquoi tu fais une. C'est pas une multiplication que tu dois faire, c'est une addition maintenant. T'as calculé toutes tes dimensions de chaque côté. C'est pas, faut pas les multiplier après, faut les additionner. Si tu multiplies, mais tu auras une clôture qui va être énorme. Non, parce que on fait comme ça, comme les autres, par exemple, 26 fois comme ça et non. Là, c'est ton carré. Là, t'as combien qu'il faut de clôture pour le carré? 52, c'est ça? Oui. Là, t'as combien de clôture pour un côté du rectangle? 30. Et pour l'autre côté du rectangle? 56. Et ben moi, je veux la taille, la dimension totale de la clôture. Donc il faut 20 et 52, 30. T'as 52 bonbons, 30 sucettes et 56 Smarties. Je veux savoir combien tu vas manger de bonbons en tout. Ah, je veux dire, c'est comme les plus. Oui, bah si, oui, c'est une addition. Ouais, voilà. Oh, mais c'est une charade. C'est pas le truc. Là, je fais 1, 2, 3. Ouais, t'as bien travaillé là. Bah ça j'ai deux pas. Bon on le fera après, mais là c'est bien, t'as bien travaillé. Mais si tu dis que c'est comme les plus, donc ça fait 1002. Bah additionne et tu verras, ça fait 1002. Non mais je pose. Tu poses ton addition si tu préfères. Comme ça? Pose ton addition. Oui mais là c'est une multiplication que t'as posée là. C'est pas une addition là. Pose l'addition. Bon les amis, il est actuellement 17h25, Laura va pas tarder à rentrer. Normalement ce soir elle est censée aller boire un verre avec une copine. Mais eu égard de son état, elle est extrêmement fatiguée, elle a aussi mal à la gorge comme moi. Ah bah oui, je ne suis même pas sûr qu'elle y aille, mais bon on verra bien. Théo a fini son quai de vacances, il est en train de jouer avec Malone au jeu de cartes là. T'as fini, c'est bon? Ouais, je sais pas c'est quoi comme fruit là, c'est une orange, une pêche, une mandarine. Une pomme. Non ça. Ah, c'est une pomme. Le fruit là, il a une pomme ici. Ah ouais. C'est une pêche. Non, une pêche. C'est un B ou un P? Pêche. Un P. Bah oui. Ah, il est en train de faire sa recherche en dictionnaire, Léo, parce qu'on lui a acheté un dictionnaire du coup pour la rentrée. Et là, il doit rechercher plein de trucs. Et je lui dis, bah tu sais, t'as le dictionnaire maintenant. Tu peux rechercher. Du coup, bah ça lui permet de réfléchir, de trouver des solutions et tout, c'est pas mal. Enfin bref, en tout cas c'était une bonne journée productive au niveau de tout ça. Tout à l'heure je me suis allongé un petit peu pendant que j'en chargeais mon téléphone. Théo il joue à la console. Théo il regarde à la télé et tout. Et je me suis assoupi, genre j'ai mis le réveil, mais bon je me suis réveillé avant, genre une demi-heure, quelque chose comme ça. Bon c'est pas ça qui m'a requinqué, mais étonnamment je me sens pas non plus ultra fatigué. Et ça m'étonne. Parce que pour avoir dormi genre une heure cette nuit, bah je me sens pas super fatigué. Je sais que là Geoffrey il doit dormir. Ce qu'il m'a écrit avant et là il répond plus, donc à mon avis il s'est assoupi. Il est parti faire dodo. Mais non, moi ça va, en plus j'ai le live ce soir. Je compte aussi jouer un peu Warzone après le live avec Malone. Avec Geoffrey je pense pas du coup vu qu'il dort, à part s'il se réveille avant. Mais j'ai le pastis pour la gorge. Je sais pas, je me sens pas extrêmement fatigué. Je pense que c'est peut-être ce soir ça va me buter quoi. Pêche, oui, pêche. Action, pêche, faute. Oui, pêche, la pêche, le fruit. Et regarde aussi, pêche, arbre, fruitier. Un péché. Un péché. Donc là,
Bah c'est ça, l'arbre fruitier. Regarde, arbre fruitier qui produit des pêches. Donc c'est le pêcher. Ah, pêcher, il s'appelle. Oui. Voilà. Bon. Je rangeais ça, que j'ai rangé aussi le... Oh putain, comment ça s'appelle? Fer à repasser que Laura l'avait laissé. Je vais remettre le piège à souris là, mais il faudra que je remette la bouffe dessus. En tout cas, content que ça ait marché pour l'une. C'est dommage, c'est triste, mais bon, pas le choix. J'ai fait tout le tri du coup du cellier pour vérifier qu'il n'y a pas eu de, dégâts. Hein? Je leur donne le dictionnaire. Merci. Non, ça soulève la page quand je pose. Bah oui, parce qu'il est tout neuf. C'est bien, t'as bien travaillé. Ça, c'est plus facile avec le dictionnaire. En haut avec ma loge, j'entendais un claque, je suis allé regarder, il n'y avait rien. Bah non. Bon les amis, voici venu le temps de cuisiner. Il est actuellement 18h, je ne sais pas comment. 18h27. Laura a regardé une partie de la vidéo et tout ça. Le début qui est très rigolo, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Et puis après, le reste qui est vraiment intéressant et tout. Enfin, je trouve, après, je suis pas objectif du tout. Du coup, elle a regardé un petit peu. Et puis là, ce soir, elle va aller boire un verre avec ses copines. Et là, je vais préparer à manger. On avait le choix de plein de repas différents. Et là, c'est Laura qui a tranché, c'est pâte jambon. Bon, les enfants seront très contents, hein. Ils adorent aussi, de toute façon. Moi, j'ai pas super, super faim, de toute façon. Donc, ça me va. Hop, allez. Je vais faire cuire les pâtes. Je vais couper le jambon en petits effilochés. Et puis comme ça on mangera à 18h30, donc on a le temps de manger et tout, tranquille hein, de toute façon. Et puis après j'irai monter mon vlog. Je sais pas du tout combien de temps il va durer. Hop. Enfin, je guette s'il y a plein de souris qui est attachée au truc, tu sais. Ouais. C'est bien, au moins on s'en débarrasse. C'est cool. Allons-y quoi. Les petites boîtes. Bon les amis, c'est actuellement un peu plus de 19h30, c'est bon. Repas terminé. Pas de jambon. Laura met un œuf avec aussi. Un peu goût de carbo. Le carbo c'est plus du jaune d'œuf. Mais bref. Là je vais aller monter ce petit vlog. Pas piquer des hannetons. Voilà. Parce qu'il le faut. Et puis après j'ai mon live. Pas piquer des hannetons lui non plus. On a tout ce bordel ici. Hop. J'ouvre pour les chats. S'ils veulent rentrer. Et je vous clôturerai après. Ou je vous clôture tout de suite. Non, je vous clôture après une fois que j'aurai monté. Ça sera bueno. Allez, à tout de suite. Des bisous. Bon les amis, il est actuellement 20h43. Je vais clôturer ce vlog rapidement. Maou, c'est ouvert, Maou. Est-ce que je vais faire... Oui, Maou. Parce que là, je vais clôturer, rendre, envoyer sur YouTube et j'ai mon live après. Maou. Ouais, Maou. Essaye ta main. Alors, elle vient d'arriver avec ses copines. Et là, du coup, bah, je vais mettre les petits au lit. Au moins Théo, parce qu'il est presque 21h déjà. Faut reprendre un peu le rythme là pour la rentrée quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce vlog vous a plu pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.